C'est sur la piste du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone que l'on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Track Day. Bienvenue pour la présentation de l'Aston Martin Zagato GT3, un bolide de 620 chevaux qui a un couple à 700 Nm et qui a une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. Son moteur développe donc 620 chevaux pour un poids de 1300 kg environ. Cette bestiole a pu être vue notamment dans le championnat VLN, le championnat d'Allemagne disputé uniquement sur le Nürburgring, et ça, Nürschleife, une voiture très bien conçue. Par contre, la qualité des skins est assez brouillonne, assez dégueulasse, hein, franchement. Donc c'est un peu dommage parce que les skins proposés ne sont pas très bien réalisés. La voiture, quant à elle, à l'intérieur est plutôt semblable. J'ai pu voir quelques photos et ça a l'air bien de bien correspondre à ce qu'est la voiture dans la réalité. Donc un mode plutôt intéressant aussi par son comportement et sa physique. Pourquoi ? Parce que la voiture a un moteur à l'avance qui permet de bien la placer dans les virages, mais surtout, eh bien, le train arrière semble très court et vous avez l'impression d'être un petit peu dans une Jaguar type E, vous savez, être très à l'arrière avec un long avant sur la voiture. Donc ça donne un comportement assez particulier avec bien constamment le train arrière qui doit être corrigé. On a tendance à glisser et malgré les appendices aérodynamiques et la classe GT3 de cette Aston Martin, eh bien, on va se surprendre constamment, on glisse et on va flinguer les pneus et on va très vite se faire avoir. Donc une voiture qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de pointe dans sa conduite pour en tirer quelque chose sur le long terme, du moins sur l'endurance, ce pourquoi elle est née. En tout cas, moi je vous la conseille parce que c'est un comportement de GT3 assez atypique. Si vous souhaitez tester cette voiture, et bien c'est dans la description que ça se passe, et si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus, et bien je vous conseille de monter le son.